The ocean called for you and me. Still, I'm in this game. Saskatoon, notre premier stop en Saskatchewan. On a traversé pendant des heures et des heures des prairies avec plein de champs de fleurs jaunes partout pour arriver ici. C'est une petite ville qui n'a pas l'air de grand chose, mais que beaucoup de personnes m'ont parlé. Fait qu'on va se faire un petit plaisir de tout visiter. Puis aujourd'hui, on fait le tour en skate. Comme vous pouvez le voir, on a une belle piste cyclable qui nous attend, qui se prolonge sur des kilomètres et des kilomètres. Puis vu qu'on n'a pas de vélo, ben on va faire ça en skate. Fait que ça va être pas mal notre petite journée à Saskatoon. Puis on va aller tester des cafés, des petits restaurants. On va vous faire découvrir le lifestyle de Saskatoon. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? A day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still? Asseoir là où il y a la plus grande théière et tasse à café de la Saskatchewan. On est trop chanceux. C'est quand même un petit beau spot. On est à côté d'autoroute, fait qu'on entend un petit peu des voitures passer, mais mis à part ça, c'est chill. On est quand même à côté de la plus grosse théière au monde, de la Saskatch. Puis demain, c'est Regina pour 2 jours et on va tester une autre auberge de HI Canada à Regina justement. Puis on va essayer de trouver un gym pour aller faire du bloc parce que ça nous manque vraiment beaucoup puis qu'on a besoin de se déplacer un petit peu. Fait que visite, escalade, puis plein d'autres surprises. On est à Regina et on est arrivé ce matin vers 10h.
on a checking au HI de Regina, mais la fille n'était pas encore réveillée. Fait qu'on... Mais tu l'as réveillée. On l'a réveillée en sonnant. Tu l'as réveillée. On l'a réveillée parce qu'on est une équipe. Fait que... La fine équipe. On est parti faire un petit tour, le temps de la laisser se réveiller un petit peu. Puis on est parti se trouver un petit café. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'aujourd'hui puis demain, c'est des jours fériés en Saskatchewan pour je sais plus quelle raison. Fait qu'on est parti essayer de trouver un café, sauf que tous les cafés sont fermés vu que c'était un jour férié. Puis on en a trouvé un qui était quand même le fun, qui était super bon, mais le wifi fonctionnait pas. Fait qu'on on est parti. Puis là on va essayer de retourner à l'auberge. Puis voir si la fille est réveillée cette fois-ci. Puis de faire un petit tour, de vous faire visiter le HI de Regina, de vous montrer où est-ce qu'on va passer nos deux prochains jours. Et cet après-midi, on va aller dans un centre d'escalade. On va aller faire du bloc tout l'après-midi parce que demain il est fermé. Puis c'est pas mal ça pour les plans de la journée. Climbing gym de Regina, c'est vraiment un super beau centre, il y a vraiment de tout, autant pour ceux qui aiment faire du bloc que pour de la bois. Puis je me suis un peu fait mal ici, ah, il y a une belle petite bosse, fait que je vais être poquée intense parce que je me suis cogné la tête quand je suis prise. Mais sinon c'est vraiment un super beau centre, puis ça fait du bien de retrouver ses amours dans un gym d'escalade. Gab a réussi plein de bois, contrairement à moi, je pense que je suis pas mal rouillée. Et là, on s'en va manger parce qu'on a faim et puisqu'il est rendu 15h. Chez Freshy! Qu'on a découvert à. C'est pas. À Saskatoon! Saskatoon! C'est Saskatoon! Ouais, vraiment! C'est pour ceux qui sont végétariens et vegan, c'est l'endroit où aller, puis c'est une chaîne. Fait qu'on retourne là-bas, puis qu'il y en a un ici. Puis après, on s'en va relaxer à notre super belle auberge de HI Regina. Mais en tout cas, ce centre, c'est 16$ l'entrée. Ça vaut vraiment la peine. Puis ça permet de décompresser, puis c'est une activité vraiment le fun à faire autre que visiter la ville. Bon matin! On est à Regina, deuxième journée, puis aujourd'hui on visite le downtown, son street art. On nous a conseillé beaucoup de trucs dans l'auberge de jeunesse. On a plein de surprises, c'est parti!
Bon matin! On est en train de quitter Regina après deux belles journées dans cette magnifique ville qui était fermée parce que nous sommes arrivés pendant les deux jours fériés de la Saskatchewan. Fait que hier, on nous avait dit que certaines boutiques seraient ouvertes, que certains cafés seraient ouverts, mais finalement, ça a été un échec total parce qu'on a marché partout où on nous avait dit d'aller. Puis partout où on a été, c'était fermé. La seule chose qui n'était pas fermée, c'était le centre commercial. Mais on s'entend que quand tu viens à Regina pour visiter, c'est pas là que tu vas aller en premier recours. Fait qu'on y a été pour juste prendre un break de soleil. Puis après, on a continué à marcher en espérant de trouver des trucs ouverts. Puis on a espéré, mais rien n'était ouvert. Mais on a quand même réussi à trouver un restaurant qui était quand même bon, où on a été bruncher, qui était le lobby. Et ça a été vraiment super cool de se poser puis de reprendre un petit peu des forces. On a essayé d'aller se promener dans le parc après, mais il faisait beaucoup trop chaud, fait qu'on a décidé de retourner à l'auberge pour se poser un peu. Gab a fait une sieste de 3h30, fait que j'appelle plus ça vraiment une sieste, j'appelle ça faire sa nuit. Puis moi j'ai dormi une heure, puis après j'ai été discuter avec Heather, qui est la manager du HI Regina. Puis j'ai passé un super bon moment avec elle, c'est une fille qui est extraordinaire, puis qui malgré son jeune âge, rock ça comme une chef. Elle gère une auberge qui a besoin de beaucoup d'amour, qui est en rénovation depuis plusieurs mois. Ça nous a fait un peu capoter de voir que la plupart des personnes avec qui elle traite pour la maintenance mettent des mois et des mois à juste finir une salle de bain ou le backyard ou tout ça. Fait qu'elle a beaucoup d'énergie, elle reste positive malgré tout ça. Puis je pense que ce qui fait la beauté de cette auberge, c'est vraiment cette fille-là. Elle offre un service à la clientèle puis un contact humain qui est incroyable. Elle nous a emmené faire le tour du parc hier soir, donc on a pris nos skates, elle a pris ses skates à elle aussi, puis on a fait le tour du parc au coucher du soleil. C'était super beau, elle nous a emmené dans un skatepark parce qu'elle sait que Gab il en fait. Et on a pris un cidre, on a passé une super belle soirée, on a passé des heures à discuter. Puis c'est une personne extraordinaire, puis c'est ce qui fait que j'ai vraiment adoré le HI de Regina. C'est grâce à cette personne-là qui a rendu toute l'expérience vraiment magique puis super agréable. C'est sûr que l'auberge est encore en rénovation, puis je pense que ça va prendre encore du temps, vu ce qu'elle m'a dit. Mais honnêtement, ça vaut la peine d'y passer, ça vaut la peine d'y rester un tout petit peu, surtout si Regina est ouverte. Partout où on a été, même si c'était fermé, ça avait l'air d'être vraiment cute. Les petites boutiques locales avaient l'air d'être vraiment nice aussi. Les cafés avaient l'air d'être nice aussi, mais je peux pas vous dire si ça l'était pour de vrai ou pas, parce qu'on n'a pas pu les tester. Mais c'était quand même très très cool, puis ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu, je pense. Puis surtout de rencontrer cette personne qui est juste magnifique, puis qui rend le tout vraiment sympa. Fait que là, nous, on se dirige vers Big Muddy, qui est une sorte de désert à la frontière de Saskatchewan et des États-Unis. On va aller voir s'il y a possibilité de faire du bloc en escalade. Puis s'il n'y a pas ça, ben on va juste se balader, puis prendre des photos, puis vous montrer à quoi ça ressemble. Si on a le courage, on va conduire jusqu'à Grassland National Park, qui est notre destination de demain matin. Parce que c'est à peine à 1h30, fait que je pense qu'on devrait avoir ce courage-là de conduire jusqu'à là-bas. Puis c'est un des plus beaux parcs de la Saskatchewan avec le Prince Albert qu'on n'a pas pu faire malheureusement. Puis dans ce parc qu'on va faire, il va y avoir des bisons, il y a des serpents et c'est des déserts puis plein de beaux paysages, fait que c'est là qu'on s'en va demain. Puis après-demain, on roule jusqu'à Calgary. Donc on arrive enfin en Alberta, puis c'est là où toutes les randonnées vont commencer, c'est là où genre il va y avoir beaucoup plus de plein air que ce qu'on a pu avoir au Manitoba puis en Saskatchewan. Donc on va essayer de se remettre en forme physiquement pour pouvoir tenir tout ça. Puis là on va juste apprécier la route dans les déserts des prairies de la Saskatchewan pour rejoindre un autre désert. Donc c'est pas mal ça. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part.
It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. De 6 km au Grassland National Park au côté est, parce qu'il y a le côté est puis il y a le côté ouest. Puis là on s'embarque sur une randonnée de 6 km comme je disais, pour aller camper en plein dans la nature, dans la vallée des Morts, je crois qu'ils appellent ça. Pas très rassurant, mais c'est là qu'on s'en va dormir ce soir. Puis c'est là qu'on va camper avec notre tente, qu'on va faire notre petit campement, qu'on va manger et qu'on va regarder les étoiles. Puis que j'espère que la vue va être magnifique, parce qu'on a beaucoup d'attente, puis on est un peu fatigué, et que croisons les doigts pour que cette soirée soit inoubliable. Une super belle nuit. Menteuse. C'était incroyable. Non, mais pour vrai, mis à part le vent qui nous a bien empêché de dormir, puis le sol, puis les coyotes, puis les coyotes. Non, pour vrai, on a bien dormi. Non, on n'a pas bien dormi, mais l'expérience c'était quand même nice. Puis on a entendu des coyotes toute la nuit. Il y en a même un qui est venu renifler autour de la tente, puis j'ai eu un peu la chienne de ma vie. Mais c'était vraiment cool pareil, c'était une belle expérience. Malgré qu'on n'ait pas bien dormi, c'était une belle expérience. Puis si t'as à refaire, je le referais. Mais avec des vêtements plus chauds. Ouais. Parce qu'il vantait sa mère. Genre vraiment intense. Puis là ce matin, on en a pour 1h30 de marche pour retourner à l'auto. Pas de vin. Il fait un peu froid, mais il n'y a pas de vent. Puis après, on prend la route pour 2 heures pour aller voir la partie ouest de l'autre parc, pour aller voir les bisons. S'il y en a. Mais techniquement, il y en a, mais il faut juste les trouver. Puis c'est pas mal ça. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna. Donc
on va quitter Saskatchewan. C'est fini pour nous. C'était un petit 4-5 jours rapido presto. On a bien aimé Saskatoon puis Regina. La seule déception, c'est que Regina, tout était fermé, fait qu'on n'a rien pu visiter de ce qu'on voulait. Fait qu'on s'excuse pour ça, ça a dû être pas très attrayant pour vous, mais on avait quand même gardé le meilleur pour la fin, qui était le Grassland National Park. Ça a été le petit joyau de Saskatchewan, ce qui était le mont riding pour Manitoba, le Grassland, ça l'est pour Saskatchewan. C'était full beau. On a vraiment passé une super belle soirée, malgré le fait qu'on ait vraiment pas très bien dormi. C'était quand même très beau, puis ça a été vraiment, pour moi, du moins, mon petit coup de cœur de Saskatch. Je m'attendais pas, c'était une surprise là, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça au niveau des prairies. Là. Parce qu'on va s'en rendre, il y avait pas beaucoup de relief à Saskatchewan, puis arrivé là, puis genre, il y a vraiment plus de relief que ce qu'on avait vu, fait que c'était vraiment cool. On a bien aimé l'expérience, en tout cas. On a juste mal timé avec, on savait pas qu'il y avait une journée de fête là à Regina, fait que là, c'est pour ça que tout était fermé, fait que c'était la petite déception. Mais on a quand même pu faire quelque chose de bien pareil, là, ouais. Malgré qu'on a pas fait On a pu tout. Faire des petits trucs, mais c'est juste que on n'a vraiment pas pu visiter ce qu'on pouvait visiter, puis ça nous a un petit peu déçus, mais bon, on ne savait pas, on ne s'était pas renseigné non plus. Mais Saskatchewan, c'est une belle province, et on n'a pas eu l'occasion d'aller voir le Prince Albert non plus, National Park, qui est un autre parc qui est vraiment beau à faire de ce que j'ai entendu. Et on n'a pas eu l'occasion non plus d'aller au Great Sand Hill parce que c'était un petit peu trop loin pour aller faire du snowboard sur du sable. Donc on n'a pas eu l'occasion de faire ça non plus. Ça a été vraiment comme... Les distances sont quand même assez longues pour aller voir certains points. Mais on se dit dans un autre prochain voyage, on le fera sans hésiter. Le Edge High aussi, on a beaucoup aimé malgré le fait qu'il était en rénovation. C'est vraiment Heather, encore une fois, qui a comme rendu l'expérience super belle. Puis on a vraiment passé une super belle soirée avec elle. Fait qu'on a quand même des super beaux souvenirs de Saskatchewan. Je pense qu'il faut vraiment prendre un petit peu plus le temps de le visiter puis de parcourir les distances qu'il y a à parcourir. Chose qu'on n'a pas fait, mais c'était notre décision aussi. Parce que là, on s'en va en Alberta. Fait qu'on s'en va conduire 6h30 live. Un petit 6h30 à peu près, maintenant puis ce soir, pour se rendre à Calgary. Puis arrivé à Calgary, on a une demi-journée, fait que ça va être short and sweet. On y va surtout pour se préparer pour toutes nos randonnées puis faire le plein de ce qu'on a besoin. Puis c'est ça. Fait que on vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera en Alberta cette fois-ci, puis qui va être beaucoup plus plein air que ce que vous avez pu voir précédemment dans les autres épisodes. Fait que je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les voyageurs.